C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Regarde, il est là, regarde, regarde. Démission. Non, il va bien parler. Un bon 14 juillet. Putain. Oh putain, putain. Il y a une démocratie. Mais tu vas virer. Tu vas virer. Tu vas virer. Tu vas virer, ma parole. Tu vas virer. Tu vas virer. Tu vas virer. Monsieur le Président, virez la brave. Arrêtez avec la brave, sirieux. Arrêtez avec la brave. Virez la brave, Monsieur le Président. Virez la brave. Virez la brave, ils nous font mal. A été réprimé. Pourquoi vous avez remis la brave? Pourquoi vous avez fait ça? C'est pas le Président de la République qui fait ça. Virez-les, vous avez le pouvoir. Arrêtez avec la brave. On n'en veut plus. Moi, je peux faire face à tout le monde, même à vous, mais pas à eux. Mais soyez cool. On n'en peut plus, ça fait 18 mois qu'on est cool. Ça fait 18 mois qu'on est cool. Virez la brave déjà. Virez la brave déjà. Il a l'habitude. C'est des violences, c'est les pires violences. Mais non, mais les mecs, c'est parce qu'il y en a chez vous qui sont. Non, c'est tous, Monsieur le Président. C'est tous. Arrêtez la brave. Je vous jure, arrêtez la brave. On en reparle après. Si vous voulez, virez la brave. Arrêtez de crier. J'ai beaucoup de mal avec eux. On est venu par hasard et on vous a. Eh, moi je vous le dis, enlevez-les, déjà ça. Enlevez-les dans les manifs. Et vous verrez que ça ira déjà mieux. Non mais déjà ça, déjà ça. Ils sont hyper. Vous êtes mon employé, Monsieur le Président. Vous êtes mon employé, Monsieur le Président. On est un jour férié, je me balade, je suis respectueux. Et on est respectueux. Moi, je vous ai pas manqué de respect. En tout cas, pas aujourd'hui. Demain. Votre ministre de l'Intérieur, là, le nouveau, là, parlez-lui, dites-lui qu'il arrête avec ça. Reprenez les motos. Vous enlevez les motos de ce gars-là. Vous les mettez dans un centre pour les un peu. Qu'ils reprennent un peu conscience de leur métier. Vous n'allez pas m'en mettre tous les samedis. Non. Vous arrêtez déjà avec eux, les manifs, ça ira mieux. Parce que les gens, ils en ont marre les samedis. Oui, on en a marre. Sauf qu'on n'est pas samedi. Vous répondez à nous. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les gens aussi, il y a des commerçants, les forains, tout ça, demandez-leur. On le sait, monsieur le président, mais vous savez qu'il y a des problèmes. C'est pas comme ça Je suis d'accord. Il y a beaucoup de choses, vous savez. Je parle au président de la République. Même moi, je ne crois pas. De gouvernement avec un ministre de l'Intérieur présumé violent. Non, mais reste tranquille. Reste tranquille. Regarde, il est là. Reste tranquille. Moi, j'entends ce que vous me dites pour baisser les choses, mais faut que vous vous engagiez tous aussi à ce que ça baisse. Voyez, qu'on soit cool. Franchement, si tout le monde est cool, il n'y aura pas de problème. Je suis en train de faire le buzz avec le président de la République sur mon live. Ah mais ça fait 18 mois que je suis là-dessus. Nous là on a respiré du gaz à mort il y a une heure. Ah oui, enfin à mort. Et c'est encore les mêmes. Moi, j'ai fait des grands débats, je suis prêt à écouter les gens. J'ai dit je suis prêt, je vais voir une délégation avec une dame que j'ai croisée. Je suis prêt à entendre les revendications, il y en a je peux être d'accord, d'autres pas d'accord. J'ai un mandat. Bon. Après. Rien ne justifie, en effet, que ça monte dans les tours comme ça monte dans les tours. Non, parce que, attendez, on va pas inverser les choses. Pourquoi la police s'est mis là? Parce que vous n'avez pas fait que manifester. Ça a cassé massivement. Pas aujourd'hui, hein. Non, pas aujourd'hui, mais vous me dites les braves en général. Mais eux, ils sont là. Mais t'es malade, pourquoi tu dis ça? Les CRS ont été inventés pour ça, parce que vous avez cassé les mandats. Donc les CRS sont créés pour taper. Sans cette match à l'heure, c'est pas tamé. C'est la vérité. Un pote à vous, lui. Je sais pas.
si, bah oui. Mais c'est un peu d'importance, moi je vois juste les choses. Ouais, tu vois rien alors, tu vas pas dans les manies. Viens en manie, pas dans les manies. Tu verras, on est tout seul avec vos bêtises. Attendez, monsieur Marchand, j'ai une question. Non, je vais devoir y aller. Michel. Vous pensez pas du vivre ensemble, sérieusement. C'est plus du vivre ensemble ou du vivre avec. C'est plus pour les revendications en manie. Sérieusement. Mais après, il y en avait pas. Je vais mettre un amalgame de revendications. Un amalgame, voilà. Mais il y en a, il y a les principales, comme le pouvoir d'achat, la justice fiscale, sociale. Quand on voit, par exemple, qu'un gilet jaune, dernièrement, un handicapé, et je l'ai lu sur les réseaux sociaux, mais je sais que c'est vrai, c'est pas... qui a été condamné à 6 mois de prison pour avoir jeté 3 cailloux ou avoir écrit à la craie au détail. Et quand on voit M. Balkany danser à la fête de la musique, qui a détourné des millions. Nous, ouais, non, mais vous comprenez notre colère, la colère du peuple, des gens. Il a le droit de danser, Balkany, c'est sérieux quand tu dis ça. Mais sans déconner, défends-le, mais défends-le pas comme ça, bordel. Balkany, il a le droit de danser en vrai. En prison, il a le droit de danser, frère. Il a le droit de danser derrière, quoi. Le sentiment d'injustice, moi, je l'entends totalement. Chose comme ça. Non mais on entend. On sort à peine du coronavirus et on entend parler de la réforme des retraites juste derrière. Voilà. Mais non, mais... Pourquoi vous faites ça? Mais le Premier ministre, il veut pas se calmer un peu. Mais non, on va tous se calmer. Après, il y a des gens qui sont aussi responsables parce que. Ah oui. Vous oubliez de parler d'une chose. On a mis 8 milliards sur la table pour les soins. Ah mais il y a rien à dire pour ça. Ouais, mais c'est pas assez. Je suis pas sûr. Le monde le sait. Non. Oui, mais non. En tout cas, moi, je vous entends. J'ai entendu ce que vous avez demandé. Je demande un engagement. C'est aussi une petite moule. Pas de violence, pas d'invective, pas de... Non, sinon on s'en sort pas. Ah, c'est dur. C'est une chaîne d'enfants. Hein. Faut que chacun mette un peu du sien. Ok. Retournez me balader. Parce que là, c'est non. En tout cas, merci, merci d'avoir pris. Franchement, respect. Parce que je vote pas pour vous, je suis contre vous, mais je vous respecte en tant que. Dur. J'arrive même pas à le maudire. Là. C'est un truc qui me dégoûte. Hein. C'est dur, j'arrive même pas à le maudire. Moi, je vote pour vous, c'est tant mieux. Non, bah moi, je. Voilà, voilà. T'as fait un, mais j'y arrive même pas. Putain! Il a du talent quand même, l'autre. Putain, hein. Il a du talent, hein. Il t'endort. T'as vu comment il parle, il y arrive, quoi. Je n'y a pas trop comme ça. Il fait le mec tout cool, alors c'est bien, c'est une dictature. C'est où? Je peux pas. On y va? Attends, il y a Manu qui est là. Mais on s'en va les couilles. Il y a des gens qui arrivent. Vous pouvez essayer de le maintenir, il y a des GG qui arrivent. Mais ça sert à rien.